We continually add new items to the menu and we try to take some off when we add new ones. C'est-à-dire positionner milieu de gamme. Si l'habillage d'un concept de restauration est important, le contenu, lui, est essentiel. Vous avez la nourriture qui passe directement devant vous. Le ticket moyen sur l'ensemble de la journée est autour de 43 francs. Ici, pratiquement à 80%, tout est agriculture raisonnée et bio. Beaucoup de produits de saison. La qualité, simplicité et efficacité. De la restauration rapide à la française, ça fait 30 ans qu'on pense à ça. Leaders Club donc, a pris une véritable dimension internationale. Jean-Pierre Petit, PDG de McDonald's France. Le fast-food arrive en France en la personne de McDonald's. Je vous demande d'applaudir Monsieur Paul Dubrulle. Joël Robuchon nous a fait l'amitié de nous rejoindre quelques minutes. L'idée, c'est partir de la fête. L'histoire des Trigano, c'est une histoire de famille. C'est le projet de deux frères, Simon Ferniaud, Vincent Ferniaud. Toi, plutôt hôtellerie, marketing, business. Voilà, et moi, plutôt bonne bouffe et journalisme. Hein. 100% bio, 100% vrai et 100% engagé. On va mettre une camion qui fume dans chaque ville en France. De toute façon, ce lieu, il est magique. Présentation des candidats. Tiens ! Oui, 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 je dis oui ! Vive le cuisine !
après Courte Paille, après Casino Restauration, après McDonald's, cette année, le jury a décidé d'attribuer la palme des palmes à... La palme de bronze est attribuée à... La palme d'argent, cette année, est attribuée à... Cette année, pour la 19e édition... La palme d'or cette année... Bravo!